Il se terre, probablement. Me tairai ? Pourquoi aurais-je peur de vous ? Fourmis ouvrières qui couraient à toutes jambes, ridicules avec leurs pauvres armes, effrayées par la pureté d'un combat à main nue. Eh bien, grand Manitou, sortez de votre planque et voyons voir la pureté de votre combat. Venez. Colonel, c'est ce qu'il veut exactement. Non, T-Hawk, c'est exactement ce que nous voulons. Je crois que c'est vrai, Bison. Êtes-vous assez brave pour m'affronter dans un combat? Quiconque s'oppose à moi devra payer de sa vie. Colonel, refusez! Refusez, vous dites? Vous allez faire sortir les otages. Si je n'apparais pas d'ici 20 minutes, évacuez l'île et partez sans moi. Procédez. C'est un ordre. Nous partons! Vous avez bien compris, soldats, sortez d'ici! J'ai compris tout de suite. Jetez l'ennemi à la mer. Laissez-nous! Je suis un homme comblé, c'est trop aimable. Maintenant, si on passait à autre chose. Je vous croyais meilleur que ça. Ça, c'était pour Charlie. Et ça, c'est pour les soldats. Gaël. Camille, à l'écoute. Colonel, est-ce que ça va? Très bien, oui. Un peu essoufflé, c'est tout. Et Bison? Dans l'au-delà. Quelle est la situation? Des combats dans tous les corridors, colonel. Et la réserve, est-ce qu'elle est arrivée? Les renforts de Sawada sont en tête de plage. Ils en ont plein les mains avec l'ennemi hors de la forteresse. La victoire peut aller d'un côté comme de l'autre. Nous allons la remporter. Dites aux hommes de l'étage supérieur de se replier, faire demi-tour et foncer sur l'ennemi. Les forces ennemies extérieures seront prises entre nos deux colonnes. Entendu, colonel. Nous n'avons toujours pas trouvé les otages. J'ai mis deux hommes à leur recherche. Ce peut bien que nos hommes... Où est passée la pureté d'un combat à main libre? Électromagnétisme supraconducteur, c'est simple en somme. Vous connaissez sûrement. C'est ce qui soulève le goût des traînes qui fait Tokyo Osaka. Il soulève aussi, ma chère. Je tiens les rênes des affaires mondiales. Il soulève aussi... le maître. Colonel, vous étiez venu ici dans le but de combattre un monstre
Et au lieu de ça, vous avez trouvé un dieu. Je refuse toujours d'accepter ma déité. Alors, tu peux garder ton dieu. D'ailleurs, le moment est venu de faire tes prières. Tu contemples Satan quand il est tombé du ciel à la vitesse de l'éclair.